Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour mes produits terminés. Là, mon sac commence à être plein. Donc voilà, on y va. Donc bah, toujours pareil, toujours j'ai fini mon liquide vaisselle de chez Myer. Donc le pomme poire. Donc franchement, ceux-là, je les rachète tout le temps maintenant. Ils sont vraiment top. Du coup, maintenant, ils les font à Action aussi. Et bah, moi, je les trouve à Leader Price. Et c'est le même prix. Donc voilà, je ne me casse pas la tête. Après, j'ai fini, ça on trouve à Action. Bon, ça c'est top. Toutes les couleurs, je les achète. Ils sont vraiment très bien. Ils nettoient super bien. Ils sont super bons. Donc ça, je rachète pareil à chaque fois. Après, j'ai fini bah, ce produit pour les WC que j'aime trop, que je rachète tout le temps. Et celui-là, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Alors, j'ai fini un Dope parfum Barba Papa de Sananas. Et celui-là, comment vous dire, l'odeur est vraiment dingue. Je l'adore. Il sent vraiment la Barba Papa. Il lave très bien. Et franchement, ça, c'est. Si on le retrouve encore, je sais pas. Je le rachèterai, ça, c'est sûr. Ils sont trop, trop bons. Après, j'ai fini une bougie qu'on trouve à Action. Donc, ces petites bougies comme ça. Là, c'est la Cinnamon Bun. Elles sentaient très bon et elles consomment vraiment jusqu'à la fin ces bougies-là. Donc ça, je rachèterai pour 99 centimes. Elles sont très bien. Donc je rachèterai. Donc j'ai fini un gelée de douche de chez Etam. Comme je vous dis à chaque fois, je ne sais pas si ils font encore les produits beauté. Mais c'est dommage que c'était bien. Donc celui-là, c'était la bulle joueuse. Donc comme vous pouvez voir, il y avait des petits cœurs à l'intérieur. Et franchement, il sentait super bon et c'était super agréable, les petits cœurs. Donc, j'ai bien aimé l'utiliser. Après, j'ai fini un gel douche comme ceci de chez ça. J'avais trouvé à Lidl de chez Sion. Donc, gel douche tropical zinc. Franchement, les contenants comme ça, j'achèterai plus parce que, comme je vous l'ai déjà dit 50 millions de fois dans les vidéos produits terminés, c'est trop long. 500 millilitres à finir. Pff, on en a marre. Franchement, là, j'en ai acheté trop. Des comme ça, en plus, j'en ai deux que j'ai fini comme ça. Et j'en ai encore deux à finir. Des gros comme ça, mais marre. Ça, je rachèterai plus ces contenants-là. Après, l'odeur, celle-là, elle n'était pas oufissime en plus. Donc, on a du mal à les finir. Ceux-là, je ne rachèterai pas du tout. Si je les revois cet été, je ne les rachèterai pas. Après, j'ai fini bah, mes cotons de chez Action que j'aime beaucoup, que je rachète à chaque fois. Après, j'ai fini un soin démêlant hydratant ultra doux, eau de coco de chez Garnier. Donc ça, franchement, ils sont très bien. Celui-là, je le rachèterai parce qu'ils sont bons aussi. Ils démêlent très bien, ils rendent les cheveux doux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, je rachèterai. Après, j'ai fini mon fond de teint de chez Bourjois, le Hype Mix. C'était en teinte beige, je crois. Bon, il était un peu clair pour moi, mais sinon, il était très bien. Donc, pourquoi pas le racheter en une teinte un peu plus foncée. Il faut que j'arrive à trouver la bonne teinte pour mes fonds de teint. Après, j'ai fini un masque comme ça de chez Montagne et Jeunesse. Donc, franchement, c'était au chocolat. Il était trop excellent. Il sentait vraiment le chocolat. C'était super agréable. La sensation, l'odeur et tout. J'ai bien aimé. J'ai utilisé deux fois. Avec celui-là, on peut les utiliser deux fois. Franchement, celui-là, j'ai adoré. Donc, je pense que je le rachèterai au chocolat. Après, j'ai fini cette eau micellaire. Je ne sais plus du tout où je l'ai eue. Peut-être Action, j'en sais rien. Franchement, j'ai beaucoup de eau micellaire, de démaquillant à finir. Donc, elle était, ouais, démaquillée bien, mais pas non plus. C'est pas une des meilleures que j'ai testées. Donc, je ne sais pas si je rachèterai. Après, j'ai fini une bougie comme ceci qu'on trouve à Action aussi. C'est la vanille. Donc, pareil, elle s'est super bien consommée jusqu'à la fin. Et elle sent bon celle-ci. Donc, ça faisait un petit moment, je ne les ai achetées plus. Mais du coup, comme je ne trouvais pas les autres, j'ai acheté ceux-là. Et moi, j'adore les bougies. Il y en a toujours chez moi. Donc, ça, je rachèterai. Après, j'ai fini un autre masque comme ceci de chez Montagne et Jeunesse. Celui-là aussi était pas mal. Donc, mais franchement, les masques de chez Montagne Jeunesse sont très bien. Donc, j'en ai beaucoup à finir là. J'ai fini un dentifrice de chez Colgate. Donc, pas mal. Je rachèterai cela. On les trouve à Action, je crois. J'ai encore fini des cotons de chez Action. Que moi, je rachète à chaque fois, comme vous pouvez le voir.
J'ai fini une eau micellaire, donc en petit format comme ceci, de chez Yves Rocher, le Sensitive Végétal. Donc ça, j'aime bien. Là, je suis en train de tester. Je suis en train de l'utiliser en grand format. Donc ça, j'aime bien. Ça démaquille bien. Ça pique pas les yeux parce que il y en a beaucoup que j'aime pas parce que ça pique les yeux. J'ai les yeux sensibles. Donc celui-là, il est très bien. Je rachète. Je l'aime et je rachèterai. Il n'y a pas de souci. Donc après, mes loulous, on finit un gel douche comme ceci. Je sais plus. Je pense que ça a été Nose, ça. Je pense que c'était Nose. Ils l'ont bien aimé. Ça on trouvera, on retrouvera pas à Nose, donc je ne mettrai pas, mais c'était pas mal. Alors j'ai fini de chez Ritual, donc ça c'était, j'avais eu ça dans un swap avec ma chérie Laetitia, un ancien swap qu'on avait fait, donc c'était un gommage. Franchement les grains étaient top, l'odeur était géniale, il était très très bien, donc ça peut être racheté. Mais franchement, il était très bien. L'odeur, le grain était très gros pour gommer votre peau. Il était parfait. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce produit. Donc, j'ai fini un autre mire liquide vaisselle pomme poire. Donc, vous voyez, je le rachète à chaque fois. Et je l'utilise tout le temps. On a fini un gel douche Dope au coca. Donc, ça, celui-là, l'odeur, bah, j'adore. Moi qui adore le coca. Donc, celui-là, je rachèterai parce que, comme je vous ai dit, moi je suis pas une fan des gel douche Dove, mais j'en ai beaucoup à finir. Mais celui-là, il est très très bien, donc je rachèterai. Après, j'ai fini un autre masque comme ceci. Bon, il n'était pas ouf celui-là, je sais plus. Je crois que c'était dans une box, un truc comme ça que je l'avais eu. Là, je suis en train de finir tous mes masques qui datent. Donc voilà, je finis tous mes produits qui datent un peu parce que. Voilà, donc ça non, pas très pas oufissime. Après j'ai fini ceci, Silic Bang pour les salles de bain. Et ça franchement c'est génial. Ça je rachèterai. C'est top pour nettoyer, c'est génial, génial, génial. Après j'ai fini une crème de douche de chez Nature et Moi. Caramel bio de Bretagne, ça franchement j'ai pas du tout aimé l'odeur, bof, gros flop, je rachèterai pas du tout. J'avais ça pendant les promos Leclerc, mais non. J'ai fini ça j'avais trouvé à Nose, Garnier shampoing, il était celui-là, je sais pas, il était pas officiel, l'odeur était bien, mais bon après il avait bien les cheveux et tout ça, mais de toute façon on pourra pas retrouver, donc je rachèterai pas. Après, après, je jette mes deux mascaras de chez ELF qui ont totalement séché. Donc, il va falloir que je me rachète pas des mascaras, des eyeliner qui ont complètement séché, séché. Après, j'ai fini encore de chez Montagne et Jeunesse un masque à la fraise. Donc celui-là il était frais aussi, il était très bien. Après il vous rend les peaux très douces et tout, j'adore leur masque. J'ai fini, celui-là il date aussi de Orange Confit de chez Yves Rocher. Donc c'était un gel douche gommant, donc il était bien. Il gommait en même temps, il l'avait, donc il était pas mal. Bon, on ne peut pas racheter parce que c'est des éditions limitées. Après j'ai encore fini un gel douche caramel à l'ancienne de chez Dope. Donc ça, celui-là il est pas mal aussi, je rachèterai peut-être. Alors après on a encore fini des bougies, encore celle-ci de chez Cinnamon, voilà. Et on a fini aussi le fruit de la passion, celle-ci franchement je l'adore, l'odeur elle est divine. Donc je rachèterai sans problème. Je crois qu'on arrive à la fin. J'ai fini aussi une américaine candelle aux cookies. Celles-là, on les trouve chez Nose et franchement, elles sont top. Dès que je les retrouve à Nose, je les rachète parce qu'elles sont vraiment très très bien. Après, j'ai fini une crème pour les mains. Donc, c'est celle que j'aime beaucoup de chez Yves Rocher. Donc, c'est à l'argan et à la rose. Donc, celle-là, on me l'a offert et je l'avais rachetée. Donc, c'est vraiment mes coups de cœur, cette collection-là, elle est vraiment divine. J'ai fini, celle-là, c'est pareil, il datait ce truc-là.
J'en ai d'autres à finir. J'avais trouvé ça à Noz. C'est une crème pour le corps. L'odeur était sentait bon. Donc, j'essaie de finir tous mes stocks. J'ai fini mon anti-cerne de chez Essence. Donc il n'était pas trop mal, mais bon, il ne me cachait pas tout à fait les cernes, hein, comme tous les anti-cernes pour l'instant que j'ai testé. Donc c'était le Light Rose. Par contre, celui-là, quand je le mettais, il me picotait un peu à la fin, donc je ne sais pas trop pourquoi. Là, je l'ai re-eu dans le calendrier de l'avant, donc je vais le retester, on verra si ça me fait la même chose. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça faisait ça. Je l'ai pas trop fini celle-ci, mais je la jette parce que déjà elle date et puis j'ai pas kiffé. Pour moi, qui jette, c'est très rare. C'est celle-là, la pure vanille, la pure camille. Ah, la pure calmie visage, crème de soin hydratant jour et nuit. J'ai pas kiffé l'odeur, donc et puis elle date un peu, donc elle est périmée d'ailleurs. Donc voilà, je la jette. Hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je suis en train de finir tous mes produits. Voilà, une autre crème pour les mains de chez Yves Rocher que j'adore. Je suis en train de tout finir mes produits parce que voilà, là j'ai des vernis qui ont totalement séché. Donc celui-là c'est un de chez Yves Rocher que je jette. Ça je sais plus, c'est un durcisseur qui a totalement séché que je jette. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai un compte. C'est quoi? Ah oui. Ça, c'est l'anti-cerne de chez Arson. Qui se présente comme ceci là. Et qu'on tourne et qu'on. Bah, franchement, j'ai dû faire. Allez. 5 utilisations. Il était terminé. Pourtant, le système et tout était top. Mais voilà, 5 utilisations finies. Donc, je pense pas que je rachèterai. Quoi. J'étais un peu déçue. Je dis, déjà. J'ai dit, ok. J'ai fini mon mascara volume sexy pulp volume extrême de chez Yves Rocher. Donc celui-là, j'ai adoré. Donc c'était une brosse comme ça. Moi, je pense que je suis plus brosse comme ça que les autres parce que je trouve qu'ils sont beaucoup mieux ceux-là. Ils recouvrent beaucoup plus les cils. Après, je jette bah, tous mes eyeliners, je les jette parce qu'ils ont totalement mais séché, quoi. Donc celui-là c'était de chez Miss Cop. Donc du coup il va falloir que je me rachète des eyeliners. Celui-là je crois que je l'avais eu dans une box Icona Milani. Mais ils ont tous. Donc voilà, je suis vraiment des. Moi qui déteste jeter. Ben voilà. Après là j'ai encore un vernis qui a totalement séché. J'ai fini un parfum. De chez Action, le Marcella. Donc l'odeur était pas ouf. À la fin, j'utilisais même pour vaporiser chez moi parce que j'aimais pas trop. Donc ça, je rachèterai pas. Donc j'ai encore fini une bougie à la vanille encore de chez Action. Donc celle-là, vous voyez, je les rachète. Et j'ai fini une American Candle de tulipe. Donc celle-là, franchement, c'était une nouvelle que j'avais trouvée à Noz. Et elle sentait divinement bon. Donc je rachèterai. Donc voilà pour les produits terminés. Il n'y avait pas tant de produits que ça en fait. Hein, quand on regarde, il y avait beaucoup de bougies et tout ça. Mais voilà. Donc j'espère que c'est. Mais comme je vous dis, les gels douche, là, les gros, on a mis mais une éternité pour les finir. Et j'en ai encore deux gros là à finir. Et après, c'est bon. Mais ce contenant-là, je ne rachèterai vraiment plus. En plus, là, l'odeur n'était pas oufissime. Donc, des fois même, je mettais dans le bain parce que ça me saoulait. Donc, voilà, je rachèterai plus du tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.